Elle a commencé au milieu des années 90 pour ce lieu. C'est-à-dire qu'il y a l'ancienne présidente de la MJC, Chantal Brault, qui a eu l'idée avec Johan Mandrou de construire un équipement culturel pour la répétition des jeunes qui pratiquaient la musique dans une cave en bas dans la cour. Je savais qu'il y avait des enfants qui jouaient dans des garages, dans les caves, dans les porches, sous des lieux qu'ils s'appropriaient comme ça, indûment souvent. Je me dis, c'est pas possible, on peut pas laisser cette musique et ces talents se perdre et se disperser dans la nature. J'ai compris qu'il y avait des créateurs dans ces jeunes-là, d'abord parce qu'il y avait à la MJC un lieu dédié qui était moche comme tout, qui était bricolé, mais ils y étaient très heureux. J'ai été adjoint à la culture à Sceaux entre 1989 et 1995, à la naissance de ce lieu qui commençait à frémir au début des années 90 et pendant toutes les années 90. Et on voyait bien qu'il y avait un besoin, il y avait à la fois un besoin et une envie de trouver un nouveau développement, une nouvelle aventure à cette maison. Et à ce moment-là, évidemment, il a fallu prendre connaissance de ce qui se fait, contacter les réseaux, visiter des lieux. Et plus je visitais des lieux, plus mon idée se précisait. D'autres établissements, d'autres équipements de ce type, il n'y en avait pas beaucoup. On était allé dans le nord de Paris, dans le sud ici, il n'y en avait pratiquement pas. Et ça nous avait séduit, avec Chantal notamment. Et voilà, et c'est né comme ça, quoi. Voilà, avec une bonne ambiance. À l'époque, c'était une belle aventure. Quelques petites oppositions, mais bon. Il y a eu des oppositions sur cette affaire, parce que la musique amplifiée, c'est comme ça qu'on l'appelait à ce moment-là, elle dérange, il y a des publics jeunes qui bougent, qui se font entendre, il y a toujours une sorte d'inquiétude sur ce que ce rassemblement de jeunes peut produire, provoquer comme nuisance éventuellement, de toutes sortes. Mais bien sûr, c'était... Mais il fallait tenter ça. Moi, je viens de la province et souvent, en province, il n'y avait pas ce genre de lieu. Ça n'existait pas. On avait tous des maisons, des garages pour répéter. Ou quand ça existait, c'était vraiment très rare. Et c'était aussi des vieux squats, des trucs. Donc, et quand je suis arrivé là et que j'ai vu que tout était propre, tout était nickel et qu'il fallait payer pour répéter, déjà, moi, je me disais, mais payer pour répéter, mais... Souvent, on s'enferme 10 heures pour répéter, on ne va jamais payer 10 heures. Tu vois. Et en fait, là, on payait à l'heure, une heure ou deux, trois heures. Donc ça m'avait un peu choqué. Je me disais, comment ça va marcher? Cet équipement-là, je crois qu'il a coûté à peu près 2 millions de francs à l'époque, hein. Ce qui était un montant relativement important. C'est encore, d'ailleurs, aujourd'hui, un montant relativement important. Et donc, il fallait délibérer, il a fallu choisir, puisque la ville était... c'est elle qui a construit l'équipement, et qui l'a ensuite proposé en gestion à la MJC, bien sûr. Donc, c'était vraiment une collaboration entre la ville et la MJC. Arrivant dans une vie politique élective, mais j'ai trouvé ça fascinant. Et c'est là que j'ai appris d'ailleurs à me battre aussi, à développer un projet, à le défendre, à le vouloir, aller au bout. J'y pense très souvent. Et ça m'a construite aussi un peu. En 99, quand le projet a été construit et a pris forme physiquement, je suis arrivé, on m'a embauché pour être le technicien du lieu. Voilà.
C'est toujours assez drôle de revenir en arrière et de souvenir comment on voyait les gens à l'époque, parce que quand je suis arrivé là, j'avais 15 ans, je me souviens de Pierre qui pour moi était vraiment le monsieur de la caisse claire, le chef, qui faisait un peu peur à l'époque, quand t'es ado et que t'es arrivé là pour répéter. Et maintenant c'est devenu un de mes meilleurs amis, on se lâche plus, on est tout le temps ensemble pour faire plein de projets de musique dans tous les sens. La caisse claire, je l'ai vu naître, je veux dire, la caisse claire, j'ai commencé la musique avant la caisse claire m'a suivi ensuite dans mon élan musical, et voilà, c'est vrai, donc la caisse claire, je la connais depuis qu'elle existe, je veux dire, voilà, moi je me souviens, avant je jouais comme ça dans ma chambre, j'étais encore un peu seul, je veux dire, voilà, je jouais, et puis là la caisse claire est arrivée, j'ai pu commencer à répéter, j'ai découvert l'amplification, un plaisir absolu. Donc, je dirais que ça fait 20 ans maintenant, 20 ans. Avec Johan, on a tout de suite eu vraiment l'idée, on était parti là-dessus, que l'équipement de ce studio soit professionnel. Cher à la base, certes, mais en fait durable dans le temps. 20 ans après, le matos est toujours là, il a été entretenu et ça marche. Le début de l'aventure, je pense, ce qui a été vraiment, qui a joué dans la balance du coup de cœur qu'on a eu pour le vieux, c'était d'arriver déjà avec la qualité du matériel, tu vois. Un endroit comme ça, avec un piano magnifique, voilà, accordé, bref, exceptionnel. Ça, c'est très délicat à trouver. C'est la valeur ajoutée qu'on a voulu tout de suite mettre dans le lieu, dès le départ. Ça a été l'occasion de voir des groupes naître, des musiciens s'affirmer, devenir semi-professionnels, voire professionnels, continuer toujours à venir ici parce qu'ils y trouvent la qualité qu'ils souhaitent, la qualité technique. Il y a beaucoup de groupes professionnels, entre autres des groupes de jazz, qui viennent ici parce qu'on a un piano à queue. Mais l'histoire, elle ne s'est pas faite comme ça en fait. C'est qu'on n'a pas décidé d'avoir un piano, mais c'est un ami qui déménageait qui nous a demandé de stocker le sien. Il est vrai que le piano, il n'est pas venu tout de suite. C'est aussi un petit peu avec cet ami Fabrice Baudin, qui était directeur artistique chez Yamaha, qui a pu y avoir les batteries. Et une batterie Yamaha qui est encore ici. Et puis tout doucement, mais effectivement, ils ont voulu avoir un piano acoustique Yamaha qui est super, parce que ça se rencontre très peu dans les studios. Ce lieu, il est atypique parce que pour un studio associatif de répétition de musique actuelle, il a été conçu comme des studios professionnels, comme on peut voir à Paris, des gros studios d'enregistrement. Donc ça, c'est un plus qui a été dès le début mis en avant et qui a fait un peu aussi notre notoriété, je pense. Sur les deux studios, en fait, ils ont vraiment leur son à chaque fois. Les groupes reviennent justement pour ça, pour l'acoustique. C'est plaisant, ça fait pas mal aux oreilles. Tout est fait pour que ça soit confort. C'est le vrai principe de la boîte dans la boîte. C'est-à-dire que ça a été construit, le sol est suspendu, le plafond, les murs. Donc honnêtement, on ne voit pas ça souvent. Asso, nous avons donc mené cette politique, notamment sur le plan culturel, qui consiste à faire que toutes les équipes, tous nos équipements travaillent le maximum ensemble. Parce que ça permet à la fois de mutualiser, mais ça permet aussi d'augmenter la qualité et surtout d'utiliser à plein tous nos équipements. Évidemment, ces studios ici, la scène de musique amplifiée qu'on organise pour la fête de la musique, notre scène nationale, et ça c'est quelque chose qui était tout à fait remarquable, de pouvoir donc travailler ainsi, et la ville s'en fait elle-même, mais encourage ça. En 2004-2005, on a monté un partenariat avec la scène nationale et la ville pour diffuser des groupes et faire de la programmation de groupes connus. Voilà, pour que nos groupes en profitent et passent en première partie. Donc ça nous a quand même appris à aussi travailler le live et avoir des compétences en live qu'on n'avait pas forcément au début et qu'on a acquises. On en a fait profiter nos groupes. C'est-à-dire que quand ils venaient aux Gémeaux, après, je les accompagnais. C'est moi qui leur faisais le son et tout ça avec les mecs, les techniciens des Gémeaux. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Je me réjouis du succès de la Caisse Claire parce que ça a permis d'ouvrir davantage tout ça. C'est pas une musique ou un apprentissage qui est renfermé sur une partie de la population, mais au contraire qui est très largement ouverte. Et la MJC elle-même
avec la ville aussi, et avec les Gémeaux, bah, ils participent en organisant, avec cette organisation donc d'événements communs qui vont, j'espère en tout cas, se développer encore davantage dans les années qui viennent. C'est des choses que j'avais jamais vues ailleurs, de toute façon. Et même pour les groupes, c'était génial de passer d'une salle de répétition à une scène nationale, quoi, sur 300 places, super bien équipée. Donc faut pas oublier l'idée que ce lieu il est fait pour la répétition, mais on avait un secteur qu'on voulait développer, c'était l'enregistrement. À l'époque, il faut bien savoir que c'est une transition entre l'analogique et le numérique. Donc en fait, moi je suis arrivé parce que je maîtrisais les deux. Quand on a fait ces concerts aux Gémeaux, j'ai enregistré en live tous ces concerts et on les a enregistrés et sortis en compilation. Donc, et la mairie un jour a même proposé de, dans son SOMAG, le journal de la ville, de sortir un exemplaire à 13 000 exemplaires, 13 000 CD, voilà, d'une compile de tout ce que j'avais enregistré ici et les lives aux Gémeaux. Doucement, Pierre, vraiment, il a trouvé à se réaliser. Ça, c'est le changement. C'est-à-dire que c'est lui aussi qui donne cet état d'esprit des lieux. Et voilà, il a mis beaucoup de sa personne. Il a dû avoir des choix pour essayer de trouver d'autres gens qui viennent les accompagner. Aussi, il a trouvé à se réaliser. C'est-à-dire que maintenant, également, il fait des enregistrements. Il est ingénieur du son. Il y a la petite cabine là-bas qui est là-bas. Nous, on a déjà enregistré des choses. Il a enregistré les cordes, le quatuor à cordes, pour mon dernier album. Au tout début, l'équipement pour l'enregistrement, on s'était équipé tout simplement pour faire des maquettes. Hein. On faisait des petites maquettes, des petites productions, mes premiers enregistrements de rap ou de groupe, voilà. Maintenant, on est passé au stade supérieur avec un équipement beaucoup plus élaboré et là, on peut vraiment faire des produits finis. La Caisse Claire, ça a aussi été un peu un laboratoire pour moi dans tout ce qui est création musicale, enregistrement, la production de disques et les métiers du son, d'ingénieur du son, etc. Ça m'a un peu guidé dans ma vie puisque c'est mon métier aujourd'hui. Je travaille en tant que monteur son et ingénieur du son dans le cinéma. Quand on a ouvert pour les répètes, Johan et moi, on avait quand même une amplitude d'ouverture énorme. C'est-à-dire qu'on était ouvert du lundi au dimanche compris et on travaillait de 10h à minuit. On a été obligé d'embaucher une troisième personne. On s'est aperçu que, en fait, avec deux studios de répète, on pouvait pas faire que de la répétition. Et il fallait que le lieu rayonne autrement. Donc, il fallait quitter les murs un peu. Donc, il fallait, donc, bien évidemment, diffuser les groupes qui venaient répéter ici. Ça, c'était un objectif. Et aussi de les former. Donc, on a pensé à mettre en place des formations, tout simplement, dont une qui s'appelle le déclencheur, où on accompagne toute l'année un groupe, on essaie de, on dit professionnalisation, mais c'est-à-dire qu'on leur donne des outils pour évoluer. I need someone who can understand, someone like a friend who can take my hand. En 2000, à l'ouverture, je suis venu répéter donc avec mon groupe Ozone. Ça fait plus de 20 ans que ce groupe existe, donc il a l'âge de la Caisse Claire, à peu près. On a répété ici, on s'est professionnalisé, on va dire, ici. On était amateurs, on est devenu un peu semi-pro. Et après, on a bénéficié de toutes les formations qui ont pu voir le jour ici, le déclencheur. Donc moi, je l'ai fait avec Ozone. Je l'ai fait avec d'autres groupes aussi, parce que j'avais d'autres groupes, j'ai eu plusieurs groupes. Et moi, à l'époque, ça représentait peut-être 6 à 8 heures de répétition par semaine. Donc j'ai passé énormément de temps ici. On a mis en place cette formation, qui était au départ une formation scénique, tout simplement, mais qui s'est étoffée à partir avec le temps. Le déclencheur, c'est un dispositif d'accompagnement pour les groupes en voie de développement. On leur propose du coaching scénique, du coaching vocal, des concerts et un clip. Fin 2008, Johan a quitté le poste, il voulait faire autre chose, donc il est parti. Et donc est arrivé Patrick dans l'équipe. Par hasard, j'ai découvert les studios de la MJC de Sceaux.
donc c'était tout neuf. Et je suis venu avec plusieurs formations, donc des groupes de reggae répétés pendant 8 ans. Pendant 8 ans à peu près. Le choix de Patrick, il a été judicieux parce que c'était un musicien. Bon, on est tous musiciens à la base, mais Patrick était un musicien qui avait beaucoup d'expérience dans plein de formations différentes et dans plein d'esthétiques différentes. Et aussi, je travaillais pour la ville de Sceaux en tant qu'animateur en centre de loisirs. Et je me rappelle que je ramenais souvent des groupes à la poterie. Et la poterie était à côté, située à côté de la caisse claire. Donc j'allais toujours prendre mon café en fait, avec Johan et puis Pierre. Et je me disais, mais oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais travailler là, quoi. Bah, c'est vrai que c'est là qu'on a quand même fait bien connaissance. Ouais. Parce que du coup, on a parlé musique, et puis après, quand Johan est parti, ça m'apparaît complètement logique et normal que je vienne vers toi pour te demander si ça te branchait de travailler, quoi. J'ai appris le métier de régisseur de répète. On encadre les groupes, on les aide à régler leur son. On les encadre en fait, on les accueille. Avec un peu comme objectif, trouver un esprit dans le lieu. Trouver voilà, un esprit d'accueil, d'apprentissage de la musique avec des idées de collectif, des idées de concert, voilà, de jeu quoi, et de rencontre. En fait, les studios offrent à un groupe qui veut travailler son projet plein de postes, plein de pôles finalement de travail. Ils peuvent répéter comme ils peuvent enregistrer. On leur propose aussi un diagnostic sur leur projet, savoir où ils en sont, quels sont les objectifs, comment ils peuvent les atteindre. Il y a aussi donc, une scène pour faire une résidence pendant les vacances. Donc, c'est un outil complet. Ce que j'aime faire, en fait, c'est de pouvoir faire le pont entre mon activité professionnelle musicale, mes projets en tant qu'artiste, et la pédagogie par rapport aux ateliers, aux jeunes qui viennent apprendre la musique à la MJC. Il nous a dit de venir dans son atelier qu'il avait créé à la Caisse Claire, ce qui nous a permis de rencontrer d'autres enfants, parce qu'on était encore des petits-enfants, de notre âge, et de jouer, de se connaître, même si au début on est un petit peu gênés parce qu'on n'ose pas. En fait, ça nous a permis de prendre un peu plus confiance en soi, de créer un vrai groupe et de se produire un petit peu devant nos parents ou des gens qu'on ne connaissait pas. Je pense qu'on a su développer, quand Patrick est arrivé, vraiment un accueil chaleureux. Et la preuve en est, c'est qu'il y a des musiciens, on les a connus tout petits, ça fait 20 ans qu'ils viennent ici, quoi. Ils viennent encore. En 2000, on a créé un groupe avec des potes au lycée qui s'appelle Ozoan et qui existe toujours. On vient de fêter nos 22 ans d'existence et c'était le début voilà, d'une longue histoire écrite ici à la Caisse Claire puisque depuis, on a fait des centaines de concerts. On est parti en tournée en Europe avec Pierre, avec Pat qui nous ont accompagnés. On a vécu vraiment des moments dingues. Such a sweet vibration. Vraiment énormément de temps ici, c'est un peu ma deuxième maison. Il y a même la famille maintenant qui prend le relais, puisque mes enfants, bah, au moment même où on fait cette interview, mes enfants sont dans le studio d'à côté en train de faire le labo musique avec Johan. Tu veux, ici, ce qui est flagrant, c'est que depuis 20 ans, il y a un bel esprit que moi j'avais connu en province, c'est-à-dire où il y a une espèce d'association. Voilà, les gens travaillent ensemble avec beaucoup d'humanité, beaucoup de respect et de la plaisanterie et tout ce qu'on aime, quoi. Et du coup, il y a un côté facile de pratiquer la musique ici. Voilà, irréprochable. Je peux pas mieux le dire. Tout le monde est comme ça, en fait, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui passent, il y a des stagiaires qui arrivent, qui sont bons et tout, mais à chaque fois... C'est contagieux, il y a un truc. Les stagiaires même, ils sont tous très sympas, très agréables, ils sont assez... Dispo. C'est l'endroit qui fait ça, qui a des bonnes vibrations, je pense. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé et qui est toujours en place, et je pense que c'est le terreau qui fait que tous les musiciens qui viennent ici, ils sont dans une ambiance, ils sont bien, ils sont là, le lieu reflète
un côté familial. Ça donne envie de créer, voilà. Enfin, je pense qu'on les met dans des conditions qu'on a compris nous depuis longtemps, où en fait on est à leur service et tout en étant humainement très proche, quoi. En 2012, quand on a arrêté ce partenariat avec les Gémeaux, on s'est aperçu d'une chose avec Emma, la directrice en place, c'est que ben, on n'avait plus de salle pour diffuser les groupes, quoi. Je suis arrivée en tant que directrice en septembre 2013. Il y avait eu des concerts avant, pendant 10 ans, aux Gémeaux, et que ça faisait l'objet d'une convention. Convention qui avait été arrêtée 6 mois avant. Donc, en fait, en tant que directrice, je me suis retrouvée avec un projet qu'il fallait repenser, remobiliser. On s'oriente vers, en fait, ramener tout chez nous et équiper la petite salle qu'on avait pour commencer à faire des concerts. Et c'est ce qui va devenir le club au fur et à mesure du temps. Sur les 10 dernières années, c'est ce qui va devenir notre petit club. On va équiper progressivement, on va d'où acheter une sono, acheter un pont de lumière, acheter les lumières, les consoles et tout ça, pour que en fait on fasse vivre un projet de musique actuelle dans nos murs. On a vite vu qu'il fallait une programmation régulière dans nos lieux, pour que la MJC acquiert une réelle identité autour des musiques actuelles. Et effectivement, à ce moment-là, on a vu se rapprocher les studios et la MJC pour ne faire qu'un, alors qu'avant, tout était externalisé, enfin, pas externalisé, mais dissocié. Pour les musiciens, il y a juste à traverser la cour et aller jouer sur scène et venir répéter ici. Voilà, ce qui est génial. Pour un concert donc à la MJC de Sceaux, moi je suis donc sur le plateau, donc je m'occupe de l'installation du groupe sur scène. Pierre, lui, il fait le son. Et bien sûr, Léo donc, s'occupe des lumières. C'est des concerts à petite échelle, mais c'était ce qu'il fallait qu'on fasse pour continuer à fédérer un public. Il a fallu que moi je fasse appel à un dispositif local d'accompagnement. On a eu la chance d'être accompagné par quelqu'un qui s'appelle Grégory Jurado, qui était spécialiste des musiques actuelles. Et on a travaillé collégialement et évidemment autour des musiques actuelles parce que c'était aussi l'histoire de cette maison, avec les studios, avec toute la ferveur qu'il y avait autour de ça. En 2015, changement d'équipe, la troisième personne s'en va des studios, pas témoin en reste, et on embauche un petit jeune qui est fraîchement sorti de l'école, Léo, qu'on avait eu en stage les 2 années d'avant. J'avais 19 ans, et tout un travail d'accueil, tout un travail de légitimité auprès d'un public que je pensais pas que j'aurais forcément. Je me suis dit, on va tester, et puis en fait, ça l'a fait. Ça se passait bien avec Pierre et Pat, je voyais qu'il y avait un bon feeling, qu'on s'appréciait plutôt bien humainement. Et que le travail était hyper sympa, très diversifié. J'ai étoffé mon savoir-faire, puis je l'ai réaxé, on va dire, autour de la lumière, qui n'était pas du tout là où j'imaginais mon corps de métier. Vu que moi, je viens du son, j'ai fait des études de son, c'est comme ça que je suis arrivé en stage, c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre. C'est quelqu'un d'important qui va arriver dans l'équipe, parce que déjà, il est jeune, il a une fraîcheur, il connaît des choses qu'on ne connaît pas, et en plus, il va avoir tout le secteur de la lumière à développer dans le club où on va diffuser nos groupes maintenant. Chaque année, on va faire 6 ou 7 concerts, voilà. Country lane, we got room. Laurent nous a dit, mais pourquoi on jouerait pas tous avec les copains? Parce que finalement, c'était devenu des copains. Même s'ils ne se connaissaient pas, ils se voyaient tous les dimanches, tous les samedis. Laurent Duval, qui est un musicien des studios et qui est là depuis quasiment la genèse des studios, est venu me proposer un projet qui est le Magic Michel Orchestra, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, hein, qui s'est appelé comme ça au fur et à mesure des éditions. Ça ne s'appelait même pas le MMO à l'époque, c'était le concert de Noël. On avait tous des chapeaux de Noël, c'était rigolo. On a fait cette première édition en décembre 2013. Et c'est un point très important de l'histoire de la MJC et du rapprochement entre la MJC et les studios, puisque ce projet-là était un projet initié par des bénévoles et par des bénévoles qui sont fédérés ensemble pour proposer un projet pour
la maison pour le collectif. Au-delà des concerts, des répètes, c'est toute l'ambiance qui va autour. C'est un rassemblement de musiciens. Avant le MMO, on se croisait dans les répètes, dans les studios. On disait bonjour, salut, ça va, au revoir. Sans se connaître vraiment, tu vois. Le MMO, il y a un côté très détente. Il y a vraiment un cadre assez agréable. Tout le monde joue, tout le monde a des styles différents, tout le monde vient d'univers différents, mais tout le monde se retrouve. C'est un plaisir pour moi le MMO parce que déjà à chaque fois qu'on fait les répétitions, on se voit plusieurs fois, plusieurs semaines d'intervalle, et donc à chaque fois on se retrouve et c'est l'occasion de travailler la musique certes, mais aussi d'être ensemble tout simplement. C'est vrai qu'à chaque fois on est un petit peu... Voilà, c'est vrai, le MMO c'est toujours difficile, il faut toujours se surpasser, toujours, toujours et encore et encore. Voir 25 musiciens comme ça qui se passent la main sur la scène avec un MC qui déconne parce que c'est un concert, c'est festif. Est-ce qu'il y en a qui nous suivent depuis le tout premier concert en 2013, le 20 décembre 2013? Il y en a qui étaient là dans le public? Il y en a? Voilà. Bon, il n'y a que quelques mains. On a gagné beaucoup de fans, mais on en a aussi beaucoup perdu du coup. Je sais pas comment on doit le prendre. C'est que du bonheur, quoi. C'est des conditions géniales, c'est une équipe géniale. Le MMO, ça me permet d'appréhender la scène, de faire de la scène, de jouer avec d'autres musiciens, de jouer dans un registre qui n'est pas forcément le mien systématiquement. Donc ça me donne aussi, ça me fait sortir aussi d'une zone de confort. Après cette première édition du MMO, il nous a semblé pertinent de proposer une édition avec un public plus large pour la fête de la musique. C'était pertinent à deux titres. C'était pertinent parce que la fête de la musique se passe dans le jardin de la ménagerie à Sceaux et que c'est une très très grande scène. Et doublement pour offrir aussi une plus grande visibilité à nos groupes. Ça s'enchaîne, il y a de l'énergie, tout le monde rigole, le public est content. Ils entendent tous des morceaux qu'ils ont tout le temps entendus dans leur vie, enfin des morceaux mythiques. Et tout le monde joue avec le sourire et tout le monde est content d'être là, autant le public que les musiciens. Ça fait quand même des spectacles assez hors du commun. Des morceaux, ce qui me plaît, c'est l'énergie, quoi, des morceaux. Et quand on arrive à vraiment créer quelque chose, ça se fait pas à chaque fois, mais quand on arrive vraiment à créer une osmose entre tous les musiciens, là, c'est là. Ça part d'une impulsion de la ville à vouloir faire la fête de la musique avec nous. Et alors nous, on était ravis, hein, pour pouvoir diffuser nos groupes, c'était génial. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sens dans ça, parce que c'était vraiment mettre en lien la MJC, les adhérents de la Caisse Claire et de la MJC, et proposer leur talent sur une fête de la musique à l'extérieur, et voir que dans leur ville, ils avaient un équipement avec cette manne d'artistes qui est capable de se fédérer et de leur proposer un spectacle. Go Waka! Say
On a réussi le pari de créer un événement que tout le monde attend dans l'année, deux fois par an. Et le public est au rendez-vous, les C1 adorent ça. Donc voilà. Je pense que ça, c'est une réussite au niveau des studios, à l'intérieur des murs et à l'extérieur. Alors, on en arrive à ces deux dernières années qui ont été un peu, je dirais pas destructrices, le mot est fort, mais quand même. Donc, comme d'habitude, on s'est adapté. Premier pas en studio, premier enregistrement dans un studio professionnel, ici même, à la Caisse Claire, avec Pierre et Pat. La même équipe, ça bouge pas. 10 ans plus tard, on est là. Ce qu'on a fait, c'est que même ces pros, ils n'avaient pas de concert à faire. Donc en fait, on s'est adapté et on leur a proposé d'enregistrer, de faire une émission. C'est-à-dire qu'ils venaient faire un titre avec une interview et paf, on diffusait ça sur le net et eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. Jamais dit. Bébé, je traîne seul dans la rue. Je sais que tu prends tes distances. Je me perds seul sans la vue. Si tu prendras plus temps. Maintenant c'est parti, on va reprendre les choses où on les avait laissées ces deux dernières années. On va refaire ce qu'on sait faire, dans la joie, la bonne humeur, avec une envie vraiment forte de revoir tout le monde, de partager tout ça, de même échanger nos expériences. Voilà. Finalement, quand on prend du recul par rapport au travail qu'on a fourni, sur la programmation, sur le travail de réseau avec les musiciens. On avait des musiciens amateurs qui reviennent au studio de façon professionnelle avec des labels. Donc il y a de plus en plus d'activités dans les studios. Oui, effectivement, si on veut continuer à répondre à la demande, ce qu'on a toujours fait de l'amateur comme le professionnel, il va vraiment, un jour ou l'autre, falloir pousser les murs. And it's enough.